Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai juste vous donner mon avis, mon ressenti sur les cannes Illithium que j'ai testé à grande intensité. Mais avant que ce petit avis commence, je voudrais remercier, parce que là le jour où je vous fais cette vidéo, c'est la fin entre guillemets, voilà, c'est pas un jour près, du partenariat que j'avais avec Caperlan. Donc je tenais à remercier les humains qui sont derrière cette marque là, dont les trois avec qui j'ai été en contact, Christophe bien évidemment, Alexandre et Clément. Un grand merci à vous trois, vu que c'est mon premier gros partenariat sur la chaîne. Certes il arrivait très tard, mais j'en suis très content. Peut-être que des fois je me tromperai dans mes partenariats, ça arrivera, des fois non. Et là ça a été le cas, je suis ultra content d'avoir pu tester ces cannes. On va arriver tout simplement à mon avis, ce que vous attendez. Je pensais pas faire cette vidéo là, mais vous avez été très nombreux à me demander un récap, à qu'est-ce que j'en pense finalement, après avoir testé, après avoir fait des poissons avec, etc. Donc maintenant, autant que je le fasse, comme ça je réponds à vous tous en même temps et que je touche toute la communauté en même temps. Donc ça va pas être une vidéo très longue, vous pensez bien. Dans un premier temps, je vais vous parler de la Illithium 500 en 2,70 m. C'est peut-être celle qui m'a, entre guillemets, le moins plu des trois cannes. Pourquoi? Je m'explique rapidement. Tout simplement parce que moi, quand j'ai besoin d'une grande canne dans mon secteur où je pêche, grande canne pour moi, ça va pas être synonyme forcément de grande canne et de finesse. Ça va être de grande canne et de puissance. En général, il me faut de la puissance quand je pêche avec une grande canne. Et celle-ci, c'est une 10-35 grammes avec une plage de confort. Arriver à 30 grammes déjà, c'est déjà bien. Donc en fait, quand je m'en servais, ça me limitait d'utiliser des leurres plus lourds. Donc c'est juste pour ça que c'est la canne qui m'a entre guillemets le moins plu des trois. Mais sinon, pour 60 euros, c'est beau ce qu'ils ont réussi à faire. C'est vraiment, vraiment fort, vraiment, vraiment très fort. Donc un grand bravo à vous. Parce que voilà, j'ai réussi aussi à visiter leurs locaux et il y a une grande équipe de conception derrière. Un magnifique produit que vous avez réussi à réaliser. Débuter avec des cannes d'aussi bonne qualité à peine 60 euros pour la gamme 500. Donc la plage basse de la canne, les 10 grammes, honnêtement, arrivé à 12-13 grammes, on sentait très bien le leurre, on pouvait faire travailler très bien le leurre. Donc super cool d'avoir pu avoir entre ses mains la Illithium 500 2,70 m, qu'il aurait fallu pour moi, on va pas faire une canne exprès pour moi bien évidemment, c'est peut-être plutôt une 15-60, une 15-55, un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, une canne plus puissante, la taille c'est parfait. Le fait qu'elle soit peu encombrante, vu que la 2,70 m ça rentre pas dans ma voiture, donc qu'elle soit en deux brins égaux, donc c'est parfait aussi. Le seul truc que je dis, hein, c'est la petite puissance qui me manquait un peu. Maintenant, on va passer sur celle qui m'a le plus servi, celle que j'ai le plus maltraitée, entre guillemets. Je dis bien maltraitée parce que rinçage après chaque session, mise dans la voiture délicatement. Je déboîte jamais à cet endroit-là, vu que celle-ci en 2,40 m, ça rentre dans ma voiture. Donc, je déboîte jamais à cet endroit-là pour éviter d'abîmer. Enfin, voilà, celle qui m'a canne un peu à tout faire, entre guillemets, comme je vous l'avais prédit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour 95 euros, c'est la plus chère de la gamme. Je vais pas dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix du monde ou du marché, parce que il y a peut-être plein d'autres marques qui font des cannes avec un rapport qualité-prix exceptionnel, mais j'ai pas pu tester. Mais je peux juste vous dire que celui-là, 95 euros, se sortir une canne aussi légère, aussi résonante, aussi tactile, qui respecte parfaitement, par contre là, les 15-45 grammes, j'ai pêché avec les leurres le plus léger que j'ai utilisé, c'est TP de 7 grammes avec un leurre qui fait 7 grammes, donc 14 grammes à peu près, et on est déjà dans la plage de puissance. Et j'ai pêché au maximum avec des jigs de 40 grammes, et on était encore dans la plage de puissance. Voilà, bien évidemment, c'est pas le confort XXL, la mousse Eva est vachement dure, que ce soit au niveau du talon, au niveau du porte-moulinet, mais c'est une canne à 95 euros, les amis. C'est une canne à 95 euros. Donc on peut pas leur demander de mettre du bois précieux, etc. Ça rentre pas dans le prix forcément, ça rentre pas dans les critères. Ce qu'on va plus juger, c'est la qualité du blanc. Et vous l'avez vu, je m'en suis beaucoup servi, j'ai fait beaucoup de poissons avec, j'ai beaucoup dropé, et elle a tenu la route, elle a tenu le choc. En termes de résonance, sensibilité, c'est assez bluffant. On passe un cran par rapport à la 500, beaucoup plus de résonance. La résonance, c'est la détection des touches, la détection du fond, la détection du leurre qui travaille, etc. On passe un cap par rapport à la 500. Et en termes de combat, j'avais peur que ça soit une trick et qu'elle plie pas sur les poissons de 40. Et finalement, elle pliait bien. Bah, de toute façon, les images ont parlé d'elles-mêmes. Le plus gros poisson que j'ai touché avec celle-ci, c'est un 76 cm. Je suis désolé de dire ça, mais cette vidéo n'apparaîtra pas sur la chaîne. Vu que voilà, cette année, ça rentre pas dans cette vidéo normalement. Mais cette année, j'ai été pas mal embêté sur les spots, malheureusement. Pourtant, je vous donne tous les conseils pour réussir où est-ce que vous êtes vraiment. Et puis, mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc, cette vidéo, je la garde pour moi, malheureusement. Un magnifique combat, enfin bref, on va pas en parler. Donc le plus gros poisson que j'ai fait avec celle-ci, c'est un 76 cm. Et honnêtement, c'était fabuleux. Je la conseille les yeux fermés à tous ceux qui débutent.
ou tous ceux qui sont confirmés qui veulent une bonne canne de rechange, de secours, je ferme les yeux et je vous la conseille. Donc on arrive sur la dernière petite canne que j'avais en main, la Helicium 900-225. Donc là les amis, je vais pas vous mentir, c'est celle qui m'a procuré le plus de plaisir. Le plus gros poisson que j'ai fait avec, c'est un 60 cm, c'était au Lord Surface, j'ai posté la vidéo récemment sur la chaîne. Elle m'a procuré énormément de plaisir. Plage de puissance très respectée, vraiment très respectée. Le maximum que j'ai mis, c'est 30 grammes, jig de 30 grammes, donc j'ai dépassé de 2 grammes la puissance de la canne et ça l'a très 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 bien fait. Une pépite de résonance, une pépite au combat. Et je pense, tous ceux qui l'ont prise et qui l'ont testé, qui ont fait du poisson avec, ou même qui n'ont pas encore fait de poisson avec, je vous demande de vous manifester dans les commentaires pour prouver à tout le monde. Enfin, attention, je pense que vous croyez en moi quand je vous dis quelque chose. Et le jour où je me tromperai dans un partenariat, je vous dirai que je me suis entièrement trompé, et sur toute la ligne, pour 89 euros. Donc, bien évidemment que ce n'est pas du haut de gamme, les gammes que je vous présente. On m'a souvent posé la question, oh, t'es passé de Tenryu à Caperlan, qu'est-ce que t'en penses si tu peux comparer? Ça se compare pas, les amis. On compare forcément deux choses qui sont comparables. Je peux que vous les conseiller, vraiment, et les yeux fermés encore une fois. Et voilà les amis, les trois cannes de mon partenariat. J'ai testé aussi la Helicium 500-240, mais pas assez pêché avec pour vous donner un avis concret et réel sur cette canne. Mais les trois cannes que j'ai pu tester, que j'ai beaucoup pêché avec, la Helicium 500 2,70 m en 10-35 grammes, la Helicium 900 2,40 m en 15-45 grammes, et la Helicium 900-225 en 7,28 grammes. Donc ces trois cannes, les amis, donc des cannes qui sortent à 95 pour la plus chère, 90 pour la moins chère des 900, et à moins de 60 euros pour la Helicium 570. Je suis content pour moi parce que j'avais peur de me tromper quand je vous ai le présenté. Je vous ai dit que c'était une présentation et j'ai bien fait de vous l'avoir dit parce que j'ai toujours peur quand je vous présente un truc et que ça ne fonctionne pas après. Mais là, c'était de la présentation. Et là, maintenant, je peux vous dire que je suis ultra content d'avoir testé ces cannes. Ultra content, vraiment. Donc, tous ceux qui ont acheté ce produit suite à mes vidéos, je pense, peuvent confirmer dans l'espace commentaire. On peut n'en être que content. Fin de cette petite vidéo où je donne mon avis sur les trois cannes que j'avais en partenariat. Encore une fois, un grand merci à Caperlan. Et encore une fois, un grand merci à vous, sans qui ces partenariats n'auraient pas pu être possibles. Et j'espère que vous avez été content que je fasse un partenariat comme ça avec des cannes beaucoup plus accessibles que les cannes que j'utilise habituellement. Ça m'a permis aussi de vous montrer qu'on peut prendre du plaisir, qu'on peut prendre des poissons et qu'on peut être heureux, c'est ultra important, au bord de l'eau avec des cannes pas forcément coûteuses. Si vous n'avez pas les moyens ou si votre vision de la pêche vous empêche de mettre beaucoup d'argent dans des cannes, etc., on peut être heureux. Il ne faut pas se sentir frustré parce qu'on pêche avec une canne à 60 euros, loin de là, même avec une canne à 30 euros. On prend du plaisir, comme je vous le répète souvent, au bord de l'eau. Voilà, une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de pêche et en action. Et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo parce que je sais que ce n'est pas ce qui vous plaît le plus des vidéos face caméra. Il en faut un peu, il faut changer un peu et puis voilà. Comme ça, je réponds à tout le monde en même temps. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt les amis. Et merci beaucoup.